Shalom, shalom bien-aimé de Dieu, shalom à toi porteur de grâce. Nous sommes encore réunis en ce matin dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il convient, éternel Dieu des armées, que nous puissions te rendre grâce en ce matin. Avec Marie, notre mère, avec Marie, celle qui a été choisie parmi tant de femmes pour porter le sauveur de nos vies. Avec elle, nous voulons te rendre grâce, celle qui ne cesse d'intercéder pour tout un chacun de nous. Nous voulons te dire merci. Merci pour cette nuit que tu nous as donné d'avoir. Merci encore de nous réveiller en ce matin. Merci pour tes grâces, pour tes bontés et tes merveilles qui se renouvellent encore dans chacune de nos vies. Te dis merci pour le don gratuit de la vie, pour le souffle de vie renouvelé en chacun de nous, pour nos maisons, pour nos familles, pour nos foyers et pour nos nations. Nous voulons te rendre grâce. Mais en ce matin, nous voulons encore passer par Marie. Qu'elle vienne encore te présenter chacune de nos blessures. Qu'elle vienne encore te présenter nos âmes. Qu'elle vienne te présenter nos pensées, te les soumettre par ses mains et par son intercession maternelle. Qu'elle puisse encore venir te présenter nos vies. Te présenter même ce qui ne glorifie pas ton nom. Afin d'incliner encore ton cœur de miséricorde envers chacun de nous. Par ses mains encore, qu'elle puisse défaire tous les nœuds qui jusque-là encore résistent dans chacune de nos vies. Guérir nos blessures intérieures. Nous guérir vraiment de tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans nos vies de tous les jours. Avec elle également, que nous puissions réapprendre à marcher avec toi, que nous puissions apprendre à laisser ce qui pèse dans nos vies et qui nous empêche de véritablement être avec toi, de demeurer dans ta réelle présence à toi. Voilà pourquoi nous voulons lever cette prière en l'honneur de la Vierge Marie. Marie, notre maman, nous savons qu'une mère est capable de tout pour délivrer son enfant, de tout danger et de tout mal, de toute menace. Tu es cette maman qui veille sur moi. Tu connais ce qui peut me faire du mal, aussi bien à mon corps et à mon esprit, à mon âme et à mon cœur. Toi, notre dame du bel amour, notre dame de toute grâce et de la délivrance, guéris nos corps de toute maladie, de tout mal physique et protège-nous de tout ce qui nous empêche de vivre pleinement pour rendre grâce à ton divin Fils. Guéris nos esprits de toute erreur, de tout mensonge et de tout mauvais jugement. Ô toi, Marie, guéris aussi nos cœurs et délivre-nous de toute forme d'égoïsme, de toute méchanceté et de tout orgueil, de toute jalousie, mais également guéris notre âme, qu'elle soit la maison véritable de ton Fils, comme toi, lorsque tu attendais Jésus, depuis notre baptême, nous aussi, nous sommes des enfants. Nous sommes les enfants que ton Fils t'a confiés. À la même image que tu as porté Jésus en ton sein. Fais-nous grandir et apprends-nous à marcher à la suite de ton Fils, à grandir dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance de toutes choses. Ô toi, Marie, notre Dame de toute grâce, nous te prions. Marie.
Dieu, c'est dans cette mouvance et cette atmosphère que je t'invite encore à prendre Marie avec toi comme une mère, que tu puisses te confier à elle, te réfugier en son sein maternel, afin qu'elle continue de présenter tes mots à son divin Fils, au devant du trône de son divin Fils, qu'elle puisse présenter tes jars et tes vases vides, tout ce qui t'empêche de réellement communier avec lui. Prends-la comme une mère, car elle se donne à toi en ce matin. Et tous les jours de ta vie, elle se donne à toi. Au-delà d'être celle qui intercède et qui présente tes jars, elle est une mère pour toi. Alors prends-la avec toi et parle-lui. Parle-lui. Elle saura réellement te consoler et te guérir. Et c'est dans cette mouvance que je te souhaite de passer une excellente et sainte journée. Dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.